Bonjour, bienvenue sur ma chaîne ou contre un truc, bienvenue sur YouTube, deuxième épisode sur le let's play de Fishing Roussian 4, Roussian Fishing 4, jeu de simulation en eau douce, 8 lacs, plus de 50 espèces au niveau des poissons. Ici je pêche à deux cames, alors il faut bien un ponton pour pouvoir poser sa canne. Sans pourtant vous pouvez pas pêcher à deux cannes. Donc là j'ai mis deux lignes, une ligne avec le bambou et une ligne avec la canne télescopique. Alors, pour l'instant on va dire on est limité. Là je pêche au ver de terre, l'autre je pêche aussi au ver de terre. Donc on va voir un peu si je peux prendre quelque chose. Donc le but c'était d'essayer, donc il faut donc un ponton. De façon à pouvoir mettre de j'ai une ligne qui est en train de pick up. Non, c'est pas possible, il faut que je le remets. Je ramène, j'ai pas le choix. Inventaire, comme bonbon, pick up. Et voilà. Et malheureusement, il n'y a plus rien dessus. C'était un ver de terre. Malheureusement, je l'ai. Ben, j'ai pas été assez vite. Je savais plus comment faire non plus. Donc voilà, on le pose. Inventaire de la canne. Voilà, je pose celle-là. On prend celle-ci. Et il faut être espacé, hein. Sinon, ça marche pas. Allez, ça c'est beau. Et voilà, maintenant on peut pêcher à deux cannes. Ça c'était le but sur ce jeu, donc jeu de simulation de pêche sur nos douces. Que dire d'autre sur ce jeu? Ben là vous savez que vous pouvez pêcher à deux cannes, vous pouvez avec des lancers, avec des cannes au cou. Vous pouvez également par la suite faire des amorces si je veux par exemple. Au niveau des skins, je peux enlever tout ce que j'ai mis. J'espère. Si je veux faire du making, du mixing au grande bête. Ouais, pour l'instant, on est assez bas, donc on ne pourra pas. La qualité basique level component. Là, j'ai pas accès encore à tout ça. Là, c'est pour attraper des appâts, hein. Des vers dans la nature. Donc ça, on verra après. C'est encore trop tôt. Il faut pêcher, pêcher, prendre du poisson si je veux que ça se passe bien. Suis au niveau 8. Il me reste encore à prendre pas mal de poissons pour arriver au niveau 9. Il fait beau aujourd'hui, c'est bien. Très belle journée. Des fois, on voit des rapaces, plein de choses. Il est grand le lac, hein. C'est un lac très grand. Donc pour pouvoir prendre l'autre canne, il faut à tout prix poser l'autre. Là, ça c'est bon. Et même si c'est un petit ça. Il est où? Je l'ai perdu. Oh. Bah, t'as bug. Alors, 257 grammes, un chum. Ouais. Allez. Donc, vous voyez. Ah! Là, ça n'a pas marché. Tout m'est revenu dans la figure. Allez. Voilà, ça, c'est bon. Je surveille les deux cannes. Les deux lignes. Et puis, on voit un peu. Là j'ai changé le coin, hein. Je suis parti un petit peu au-dessus.
comparé au point que j'étais avec vous, mais ça marchait pas très bien. Donc. Là, j'ai mis un flotteur plus léger sur lequel à bambou, ça permet au flotteur de remonter. C'est peut-être plus facile pour détecter le poisson. Je vais mettre. Allez, je vais te mettre ici parce que là, dans les buissons, c'est très bien. Voilà. Lui, on va le mettre là. Et puis. Ah bon. Ah, il faut que je pose. On va essayer. Voilà, je pose la canne à bambou, je récupère ma canne télescopique et lui je vais le mettre. Bon, je peux pas mettre là. Ah, oh, bon, autre chose, tiens. Et c'est barré. Ben voyons! Oh là 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 là! Ouais, c'est pas facile de pêcher de canne, hein, je vous le dis moi. Hein. Je vais pêcher ici. Ben, s'il veut bien, parce que je sais qu'il faut un certain espace. On va le remettre posé. Ça marche. C'est quoi ça? C'est moi qui ai dû bouger. Oh, puis c'est reparti de l'autre côté. J'y crois pas. Ah bah non, ça marche pas. Il faut que je pose. Non, il est trop près. Eh ouais. Il est tombé. Il en est où? Ah, le flotteur, il est toujours. Pick up. Non, il peut pas. Il faut que je pose celui-là. Oh là 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 là. Je sais qu'il faut pas les laisser trop près l'un de l'autre, sinon ça marche plus. Voilà. Là ça marche maintenant. Oh! Il y a un poisson, il tire. Ah, bon, c'est pas un gros poisson. Hein. Un chinez Seeper, 183 grammes. On le prend. Ouais, j'aurais pu prendre les points XP. C'est vrai. Et comme je veux récupérer aussi de l'argent, là ça ne va pas. C'était pas tout à fait là que je voulais mettre. Et ma ligne, allez-nous. Oh, c'est quoi ça? Bois! Il y a quelque chose encore dessus, oui, des vers de terre. On va changer, on va te mettre en vers de val. Hop. Je pourrais pêcher au blé, hein. Le blé par exemple. Là par exemple. Mais la ligne elle est courte, hein. Il y avait un poisson, mais bon, au moins un tout petit. Ça fait monter le niveau. On continue. Alors ça, c'est pêcher avec deux cannes. Oh, l'horreur! Oh, je vois. C'est pas évident. Vous pouvez zoomer. Et on peut voir les deux. Attention de ne pas être trop près l'un de l'autre, parce qu'après, vous pouvez plus... Reprendre mes cannes, il faut qu'il y ait un espace respecté. Voilà, au niveau. C'est pas facile, hein? Là, je suis déjà gêné. On va voir si je peux le faire. Non.
Ah, ils sont trop. Il faut que je recule. Même est là. Je prends ça. Et voilà, ça marche. Oh là 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 là, qu'est-ce que tu me fais? C'est court, hein. Eh oui. Ah, prendre du poisson avec deux cannes au cou, c'est pas facile. Alors là, je suis au blé, mais j'ai peur qu'au blé. Il fait plein soleil. Bon, normalement, il faut amorcer au blé pour pouvoir savoir. J'ai eu des touches, donc je vais changer de canne. J'espère qu'ils sont assez espacés. Oui. Maintenant il n'y a plus rien, bien entendu. Ah, si. Qu'est-ce qu'il me fait? Bon, je vais râper. Je vais me mettre un peu plus par là pour pas avoir de problème avec. Ah bah c'est du blé, donc les touches ça va être... Oh j'ai bougé. Ça va être un peu plus compliqué. Et celui-ci c'est des vers de terre. Mais bon je vais sans doute changer. Un verre encore? Bah oui. Le but c'est de s'amuser. Hop, ça c'est bon. Ah oh, là 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 c'est... C'est pas bien. Alors... On change. Là, je vais mettre du verre de vase. Voilà. Ouais. C'est pas évident. Mais bon, c'est pour vous montrer que le jeu offre des choses intéressantes. Utiliser un ponton pour pouvoir poser deux cannes, sinon c'est pas possible. Pareil pour les lancer. Hein. Pareil pour les lancer. Ouais. C'est pas brillant, hein. Je vous le dis. Le bonbon est trop courte. La ligne est trop courte. Et oui. Je vais prendre simplement ma canne. Et je vais essayer de pêcher là-bas. Ouais, je peux plus le poser parce qu'elle est à côté de l'autre canne. Mais je vais pas le poser, je vais le garder. Je vais essayer de. Moi, je peux pêcher un peu plus loin avec la canne télescopique. Oh, c'est pas 9 mètres. Canne bambou, c'est pas trop possible. Et là. Oh, c'est pas possible, il y avait une touche. Voilà, je vois rien. Oui, je sais. Je vais mettre comme ça. Parce que là, c'est un coin où je... C'est ici que j'ai cassé. C'est ici que j'ai cassé ma ligne. Et j'ai perdu un flotteur, un hameçon, 108 grammes. Allez. Et je sais qu'au niveau des buissons, ça marche pas mal. Ça
Ça marche pas si mal que ça. Oui, l'autocad, je l'ai laissé au repos. Pas question de l'utiliser. On va aller. Bah, je vais aller ici maintenant. Ça va être dur de voir. Hein. Je vais essayer comme ça. Voit pas bien. Je vais rechanger. Prendre du maïs avec un hameçon comme ça. Ah, ça c'est bon. On va voir si je peux prendre une grosse pièce, une carte. Mais nickel, alors 14h52, c'est le bon moment. Ah, les effets sur l'eau, oui. C'est bien fait, c'est bluffant. Oh, j'ai du misère. Hein. Je vais devoir encore rechanger de coin à première vue. Parce que c'est pas terrible. Hein. Un peu si je peux prendre un peu ici avec des verres de val. Il y a des moments on sait prendre pas mal de poissons coup sur coup et puis d'un seul coup plus rien. C'est pour ça que j'ai tâté scier l'amorce, parce qu'on a la possibilité de récupérer tous nos points, comme là je suis à 8, tant bientôt à 9. Je peux récupérer tous mes points et les mettre sur d'autres skills. C'est une chose à essayer et à voir. Il y a un poisson, mais bon, c'est pas un gros. 137 grammes. On va mettre en point premium. Oh, trop court. C'est normal, hein. Ouais, je vais essayer ici. Hop. Oh. C'est assez calme. Malheureusement, trop chaud. Peut-être, c'est possible. Allez, je vais enlever ça. Désassembler. Ah, je peux pas. Il faut d'abord enlever sa ligne. Hop, inventaire. Désassembler. Je récupère tout. Je vais. Sur ma main ligne. Oh. Bah voyons. Je la sens tout. Je peux pas.
Ah ouais, je suis trop. Voilà, il faut que je fais comme ça. Voilà. Eh ben, qu'est-ce qu'il faut pas tout faire? J'oublie toujours l'espace. Oh non, maïs. Ouh. Ah, je me rappellerai de la casse que j'ai eue à cet endroit. C'était un gros poisson. Je sais pas combien de. Il devait atteindre plus d'un kilo, 1,5 kg, 1,7 kg. Ma ligne a pété, c'était une ligne blanche. Alors je sais plus combien que c'était. Bon, on va mettre ça, ça, on remet ça. Pick-up. Essayer de pêcher au ver de terre, c'est pas normal que je prends pas à sortie. Alors, faut mettre des vers de vase pour Hop. Pour prendre du poisson. Ouais, le principe de la passe, c'est surtout le ver de terre qui est très efficace pour la pêche. Alors, moi j'avais cru que les magottes auraient pu aussi bien rivaliser, mais c'est compliqué, hein. Les vers de vase un petit peu, le maïs très peu. C'est pas évident. Oh, ça pourrait être un gros, ça. Non. Oh, il n'y a pas si mal que ça. 875 grammes. Je peux prendre 77 points en XP et 78 en premium bonus. Si je relâche, je vais le faire. Voilà, ça me gagne des points. C'est but. Hein. Ah là, c'était très intéressant. Belle prise. 875 grammes. h 36. Ça va bientôt faire nuit. On va se quitter avant la nuit. Je vais voir si je peux pas en prendre une deuxième. Mais bon, je l'avais vu aux touches. Les petites touches comme ça, souvent c'est, ça peut être du gros. Bah, qu'est-ce qu'il fait? Je te remets là. Hop. On verra bien. Ah, je suis donc à la moitié. Même pas. Si, si, on est à la moitié pratiquement. Un autre poisson moins gros. Ouais, final c'est pas. Alors je peux gagner 39 points de premium XP bonus ou flat fishing monter de 0,2 passer à 27,8 39 points d'XP on va prendre. On va voir si je peux continuer à en prendre. Voilà, canard bambou, c'est pas facile.
C'est assez court et assez compliqué. Je vais sans doute acheter une deuxième télescopique bolognaise par la suite, et puis avec mes deux cannes longues, on pourra pêcher plus facilement à deux cannes. Mais là, je vais pas mettre là hein, parce que j'ai remarqué que c'est beaucoup ici. Hop. Oh, c'est trop court ça. Bon, on va voir. On va laisser là, on va voir un peu qu'est-ce que ça va donner. Si on a de nouveau des touches, s'il y a possibilité de prendre des poissons. Enfin, là, j'aurais pris bah, de belles pièces quand même, un peu de 800 grammes quand même, c'est intéressant. Ça fait monter mes points. On est à 27 jours et 21 heures pour le premium. Voilà. Au niveau de mes skills, bah on est à 27-8. Ça va pas beaucoup. Hein. C'est vraiment. C'est pas facile. Et c'est quoi ça? J'aime bien les nénuphars. C'est assez joli. J'aime bien. On va bientôt démarrer la saison de pêche. Mais pas dans le jeu, hein. Dans la vie de tous les jours. 19 h. Ça va être la nuit, on va s'arrêter là. Donc je vous remercie de m'avoir suivi. Mettez un j'aime, abonnez-vous. Merci aux abonnés, merci aux visiteurs. Passez une bonne fin de journée. Au revoir.